Selon les états émotionnels de la personne, se modifie du jour le jour. Parfois, il est content, heureux, joyeux. Parfois, il est triste et accablé. Comment peut-il diriger sa prière dans tous ces états d'âme qui se changent? Eh bien, c'est très simple. La prière, c'est exprimer des sentiments envers Dieu. Évidemment, pas tous les sentiments. Il y a des sentiments qu'on doit repousser. Il y a également des sentiments droits et nobles qu'il faut conserver. Donc, si on est heureux, on est joyeux, il faut être joyeux de la possibilité de servir Dieu et de l'avoir servi. La joie de la mitzvah. Et si on est triste, il faut être triste d'avoir fait des fautes, d'avoir fait des erreurs. Cette tristesse elle-même, c'est un service divin. La joie en Dieu, c'est servir Dieu. Triste de ses péchés, de s'être éloigné de Dieu, c'est également servir Dieu. Shalom.